Donc Guillaume Buchet, éleveur de bovins lait et de porcs à Carantoir, dans le Morbihan, en GAEC avec un associé et deux salariés et un apprenti. Donc on a 150 vaches pour une, pour une référence d'1,5 million, mais une production de 1,4 million environ, suivant les années. 147 hectares de SAU, dont 35 de blé, 60 de maïs et 55-6 d'herbe. C'est d'avoir un outil efficace économiquement et aussi en termes de main-d'œuvre, le plus efficace possible. C'est ce qui a tout le temps été notre ligne de conduite depuis le début. Donc on a mis un robot d'alimentation depuis 2014 en remplacement d'une mélangeuse. En fait, on n'était pas parti forcément sur le robot. Pourquoi le robot? C'est l'efficacité de main-d'œuvre. En fait, la première chose qui nous est venue, c'est de gagner du temps sur l'exploitation en main-d'œuvre. Le coût était certes élevé, donc on a investi 210 000 euros tout confondu par rapport à une mélangeuse automotrice où on avait déduit à 130 000 euros. Beaucoup plus conséquent, mais par contre en main d'œuvre, ça nous permettait d'économiser 2/3 de salariés et ce qui s'est révélé par la suite, c'est qu'on est dans les 2/3 de salariés économisés en main d'œuvre. L'autre technologie qu'on a mis en place, c'est les boucles de détection de chaleur. Donc c'est un investissement qu'on a fait en 2019. Parce qu'on avait quelques soucis de reproduction, de la réussite en IA en fait. Et en mettant en place les boucles, c'était vraiment d'obtenir la tranche d'heure qui correspondait le mieux à l'insémination. Ce qui s'est révélé en fait, c'est qu'on inséminait trop vite nos vaches par rapport à la détection des chaleurs. Oh là ! Une technologie qui est capable d'optimiser le temps passé. Excel. Les deux. Facebook, je suis pas la génération TikTok. Brouette. Vélo manuel, enfin vélo normal, même pas vélo électrique. C'est un réseau d'agriculteurs qui sont très forts en rentabilité. Et qui tire les autres vers le haut.